l'entrepreneuriat féminin. La question était au centre des grands rendez-vous de Fraternité Matin ce mercredi. Invitée de cette 16e édition, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le CPC nous dit que sur 800 entreprises créées en 2013, seulement 15% sont aux mains des femmes. Je trouve que cela est très bas et faible et il faut que davantage de femmes donc, s'investissent, s'engagent dans ce secteur d'activité. Il faut que les femmes réussissent donc à s'affranchir de toutes ces pesanteurs sociales et culturelles. Et qu'elles se disent que autant les hommes réussissent dans le secteur, dans le domaine donc de la création d'entreprises, autant les femmes peuvent réussir. Et pour favoriser les initiatives privées des femmes, plusieurs dispositions ont été prises. Le gouvernement travaille à l'autonomisation économique des femmes, notamment dans le domaine rural. Madame la Première Dame elle-même s'est engagée en mettant à la disposition des femmes un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et des milliers de femmes aujourd'hui bénéficient donc de crédits qui leur permettent de créer des activités génératrices de revenus. Toujours dans l'intention de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, la ministre Anne-Désirée Ouloto envisage la création d'un centre d'écoute, d'orientation, d'information et d'appui à la recherche de financement, la formation des femmes au leadership et à la gestion des affaires.